Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être les 10 faits sur Gossip. Donc, fait numéro 1, il faut savoir que le nom complet de Gossip est Gossip de Cannes, Carino. Donc, pourquoi Carino? C'est tout simplement parce que Gossip ne m'était pas dédiée au début lorsque je cherchais un mini. Lorsqu'elle était née, quelques temps après, une dame l'avait réservée et vu qu'elle n'avait pas encore été identifiée, bah, la dame a dû sûrement profiter pour ajouter son nom de famille, je pense, pour s'approprier Gossip. Cependant, vu que c'est moi qui l'ai eu, bah, je n'ai pas voulu changer le prénom tout simplement parce que c'est des procédures voilà, pour rien et que de base voilà, c'est juste pour ses papiers. Moi je l'appelle Gossip et c'est tout ce qui compte. Fait numéro 2 sur Gossip, il faut savoir que c'est une jument miniature origine constatée. Elle n'est pas plein papier, mais je compte bien la faire passer cette année en commission, qui veut dire qu'elle va passer devant un jury qui va lui attribuer une note pour qu'elle passe en jument miniature française et non pas américaine comme j'ai pu le dire dans des précédentes vidéos, car vu que la commission se passe en France, elle aura bien sûr la pure race française. Fait numéro 3 sur Gossip, c'est ses parents. Donc le papa de Gossip s'appelle John Tentation, c'est un pure race cheval miniature américain, et Baby Doll de Cannes qui est une jument miniature origine non constatée. Quatrième fait sur Gossip, il faut savoir que Gossip est la demi-sœur de Gobak. Pour ceux qui ne savent pas qui est Gobak, Gobak était censé être le poulain que j'aurais dû avoir à la place de Gossip. Malheureusement, très peu de temps avant qu'il arrive à la maison, il a eu un accident à l'élevage et il est décédé. Et du coup, pour me réconforter, entre guillemets, j'ai pu avoir l'opportunité d'acheter Gossip. Et pour en revenir au fait que Gossip est la demi-sœur de Gobak, ils ont comme parent commun le papa qui est John Tentation. Cinquième fait sur Gossip, c'est sa couleur. Il faut savoir que Gossip a une robe qui se nomme Smoky Black, c'est-à-dire qu'elle est ni noire ni baie, elle est vraiment dans une couleur assez foncée qui, lorsqu'on est en hiver, penche plus sur le noir et quand on arrive en été, elle ressort vraiment comme baie foncée. Sixième fait, c'est sa morphologie. Donc il faut savoir que Gossip n'a pas du tout la même morphologie que Bilbao. Bilbao étant un mini Shetland, il tient beaucoup du simple Shetland, alors que Gossip, elle, est une jument miniature, qui veut dire qu'elle a vraiment la morphologie d'un cheval, mais en beaucoup plus petit. Donc on le voit tout simplement par ses membres qui sont très fins et son corps également qui est dans toute la finesse. Et c'est vraiment ce que je trouve vraiment magnifique sur Gossip, surtout en été quand elle n'a plus son poil d'hiver. Elle est vraiment sublime avec son petit corps. Septième fait sur Gossip, et ça je pense que lorsque je vais passer en commission, c'est le point qui va être négatif sur la morphologie de Gossip. J'ai pu remarquer que la queue de Gossip était vraiment basse par rapport à sa croupe. Et du coup, je pense que c'est un point qui va un peu pencher sur la finesse de sa morphologie. Mais après, le fait qu'elle ait une queue basse ne la gêne strictement pas. Elle vit normalement, il n'y a aucune gêne par rapport à ça. Huitième fait sur ma louloute, c'est son petit air malheureuse. Donc bien sûr, elle n'est pas malheureuse, mais c'est tout simplement le fait que ses yeux, ses paupières soient un peu
inclinée fait qu'on a l'impression qu'elle est toute malheureuse, toute fatiguée. Mais c'est vraiment qu'une simple impression et franchement, ça me fait toujours rire quand je la vois. Avant-dernier fait sur Gossip, c'est sa lenteur. Il faut savoir que Gossip est une pouliche très molle qui est dans la lenteur. On n'a pas besoin de se presser, on a toute la journée pour faire ce qu'on a à faire. Donc voilà, Gossip est vraiment une pouliche qui est lente dans ses mouvements. Et je pense que ça va être un petit souci pour le travail que je vais faire avec elle, sachant que c'est un travail où il faut être assez dynamique. Mais voilà, Gossip est vraiment le contraire de Bilbao qui lui est vraiment speed. Et ben elle est l'inverse, elle est toute molle. Et dernier fait sur Gossip, et je pense que vous l'avez pu remarquer sur certaines vidéos, Gossip adore l'eau. Alors ce qui m'a vraiment impressionnée, c'est que Gossip, avant de venir à la maison, n'avait pas forcément vu d'eau ou s'en était presque jamais approché à l'élevage. Et l'année dernière, je leur ai installé, il y a tout pile un an je pense, une piscine dans le parc et Gossip est allée dedans comme si de rien n'était, comme si elle avait toujours eu l'habitude d'aller dans l'eau. Et je remarque aussi que lorsque je leur remets de l'eau, et ben Gossip ne trouve rien de mieux que de venir taper avec sa patte dans l'eau pour éclabousser tout le monde. Donc voilà, Gossip est vraiment fan de l'eau. Après, je ne sais pas si lui mouiller entièrement le corps, elle va apprécier. Mais vu comme ça part sur le fait qu'elle n'ait pas peur de l'eau, bah c'est vraiment un super bon point. Donc voilà, j'ai terminé sur les 10 faits de Gossip. J'espère que la vidéo vous aura plu. Il ne me restait plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne fin de journée. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.